Monsieur Adrien, votre déjeuner va refroidir. Hé, hey, regarde, Thémistocle. Ces motifs ressemblent à ceux du bas-relief que mon père a trouvé au Mexique. Hey. Mon père avait raison. Toutes ces civilisations ont une même origine. Le continent perdu de Mu. Et je le prouverai. Moby Dick! Que dis-tu? L'enfant mémoire? La prophétie s'est donc réalisée? C'est incroyable! Kamal ne veut pas qu'on vienne ici. Il y a des serpents. Oh, c'est des bobards. Des trucs pour faire peur aux enfants. Il faut être curieux dans la vie. C'est comme ça qu'on apprend. C'est tout? Oh. Ah, des peintures. Oh. Oh. Ah, cette saleté de rhume. Je suis tout détraqué. J'éternue et... Achoum ! Et je me téléporte pour me soigner. Je mange des vers et des serpents. C'est plein de vitamines. Mmh. En parlant de serpents, ta fichue curiosité a bien failli nous tuer. On n'en parle pas à Kamal, d'accord ? Ça tient ? C'est Moby Dick. Elle a localisé une nouvelle tablette de Mu. En Grèce. Akab est déjà là-bas. Oh. Ah. Hey, lâchez-moi. Ah, Thémistocle. Alors, on parle aux baleines, vieux crabe. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez le professeur. C'est toi, le portier? Hein? Le quoi? Chaque fois que Romy se pointe quelque part, un vieux type un peu sorcier lui ouvre une espèce de monde magique où il se passe des trucs pas possibles. De quoi parle-t-il, Thémistocle? Je ne connais aucun Romy. Ne fais pas le malin avec moi. On a pisté Moby Dick jusqu'ici. Où est la cachette, le trésor de Mu? Ah, on cherchait Mu, vous aussi? Je pense en effet que ce site est une ancienne colonie muenne. On peut même dire que... Capitaine! Arrête ta magie, je lui tourne le cou. T'as compris? Alors fais ce qu'on te dit, le passage. Oh, c'est pas ma faute, hein? Je suis malade. Vitamine! Hein? Intal Daour Sakewak Manir Almewan Ipaami Dani. Midami kaya tomatagov kumi anadaima ulami. Mais c'est un labyrinthe. Allez, on y va. Thémistocle? Non mais qu'est-ce que c'est? Mais comment tu as fait ça? N'hésite pas de nous suivre, vieux crabe. Et n'oublie pas qu'on a un otage. Alors pas de coups fourrés quand on sera à l'intérieur. Ne faites pas ça. Le labyrinthe est gardé par Médusa la Gorgone. Vous n'en sortirez pas vivant. Renoncez! Sauvé! Tu es l'enfant mémoire, n'est-ce pas? Et vous, le Nakal?
Romy, regarde. Oh. Ils m'ont forcé à l'ouvrir. Trois hommes, des marins. Akab. Ils ont un otage. Toi seul peux le sauver avant qu'il ne rencontre Médusa, la Gorgone. Elle garde le labyrinthe. D'un seul regard, elle vous change un homme en statue de pierre. Oh, pauvre Adrien. Vite. Zou, dépêche-toi. Non, seul l'enfant mémoire peut regarder Médusa sans être changé en pierre. Telle est l'épreuve. N'y va pas, mon enfant. Mieux vaut obéir. La grotte au serpent m'a servi de leçon. Sois prudent, Romy. C'est Médusa qui a la tablette. Tu devras la vaincre. Pour cela, souviens-toi de l'appel des maîtres. L'appel des maîtres. Expliquez-moi, monsieur Akab, je veux savoir, cet endroit, et Thémistocle, et Pimude, tout ça est tellement incroyable, et ce Romy dont vous m'avez parlé, et ce Moby Dick. Cette Moby Dick, c'est une baleine. Une baleine? Quelque chose nous suit, capitaine. Hein? Ah. Par là-bas. C'est Médusa. Oh, Médusa, mais c'est dingue. C'est impossible. Une gorgone. Mais ça n'existe pas, monsieur Akab. La ferme. Expliquez-moi au moins. Attendez. Oh. Mais par pitié, dites-moi ce que vous savez. Exactement comme les légendes la décrivent. Content de te savoir dans les parages, Moby Dick. Y a-t-il beaucoup d'archéologues qui s'intéressent à Mu ? Non, la plupart d'entre eux refusent de croire à son existence. En dehors de la sagesse des Naakal et de quelques légendes, les survivants de Mu n'ont pas laissé beaucoup de traces. Cet homme était le père d'Adrien, un grand archéologue. Quand il est arrivé, j'ai eu peur qu'il ne fasse une découverte importante. Je devais protéger le secret de Mu, alors je suis entré à son service pour le surveiller. Et puis, je suis devenu son meilleur ami. À sa mort, je lui ai promis de veiller sur Adrien. Oh. Satya, Zou! Satya et Zou! Désolé, c'est ma faute. Non, Satya, attends! Il faut être curieux dans la vie. C'est toi qui l'as dit. Oh. C'est Mu! Je reconnais tout! Satya! C'est Mu! Non, Romy. C'est seulement son image. Une image de Mu grandeur nature. Comment est-ce possible? Que signifie cet endroit? Et
Comment Timistoc a-t-il... C'est de l'eau! Rien que de la flotte! Mais non, c'est beaucoup plus que ça! C'est un témoignage exceptionnel du passé! Une preuve de l'existence de Mu! Hein? De la flotte! Flosque! Captain! Flosque! Capitaine! Vous êtes là! Oh! Comme parc d'attraction, ça ferait un malheur! Médusa! Médusa? Oui, la femme serpent! D'après la légende, elle transformait les gens en pierre, en les regardant dans les yeux. Ouais, le vieux m'en a parlé. Oh. Non, ne bougez pas! Cachez vos yeux! L'enfant mémoire. Vous ne devez surtout pas regarder la gorgone dans les yeux! Tu meurs d'envie de voir mon si joli visage. Les humains sont esclaves de leur curiosité. À quoi bon lutter? Regarde-moi. Capitaine! Non! Laisse-le tranquille, je te l'ordonne! Je suis l'enfant mémoire! Pourquoi les avoir amenés? Toi seul étais autorisé à entrer. Tes chers amis ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Mu doit rester secrète. Ils seront pétrifiés. Y a pas des vitamines dans ce coin-là? Super! Un stock de vitamines! Bien joué, Zou! Bien, Satya! Fixe le sol! Vite! Par là! Regardez par terre! Zou! Allez, sauve-toi! L'Académie des Nains à Cal, par ici, venez. Ezou. C'est toi ce mystérieux Romy dont parlait Monsieur Akab? Ça fait tout drôle de se retrouver ici. Mais comment ça? J'ai vécu à Mu, il y a bien longtemps. Oui, j'ai compris, c'est une farce. Et c'était Mistocle. Moby Dick, elle nous prévient d'un danger. La Gorgone est tout près. On ne pourra pas la fuir éternellement. Maintenant, il faut récupérer la tablette. C'est quoi la tablette? Oh, j'en ai assez! Allez-vous m'expliquer tous ces mystères? Oh. Pour vaincre la Gorgone, souviens-toi de l'appel des maîtres. Le gong! Eh oui! Venez, allez! C'est ici, c'est la salle où les élèves de l'académie se réunissaient chaque matin, à l'appel du gong, l'appel des maîtres. J'ai une idée. Vous allez vous mettre là, côte à côte. La voilà! Tenez-vous prêts. Je suis venu chercher la tablette! Donne-la-moi! D'abord, je dois pétrifier les intrus. Ils ont vu Mu. S'ils sortent d'ici, ils iront le dire au monde entier. Alors les hommes labourront la terre et le fond des océans pour retrouver Mu. Cela ne sera pas. Mu doit rester secrète. Le temps du secret est passé. Je vais rendre aux hommes le grand héritage de Mu. Ton travail est terminé. Maintenant!
C'est ça, la tablette? Merci. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Le monde machine se referme. Pauvre Zou, on aurait peut-être pu l'aider. Non, il n'y avait rien à faire pour lui. Adrien! Oh non, Adrien! Il va bien, il s'est juste évanoui. Regardez, j'ai la tablette! Je te félicite pour ça, enfant mémoire. Mais je te remercie surtout d'avoir sauvé Adrien. J'aurais voulu sauver les autres aussi. Romy! Hein? C'est Zou! Oh non! Mon pauvre petit Zou! Ah, la tête! Qu'est-ce que j'ai mal au crâne! Ah. Zou, tu es vivant! Tu es vivant! Ouais! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous êtes tombé à l'eau. Vous vous êtes assommé. Non, j'étais dans le labyrinthe. Et puis, il y avait ces enfants. Oui, je l'ai vu. Thémistocle. Mu, j'ai marché dans ces rues. Mu? C'est impossible. Vous avez dû rêver. Le choc vous a... Thémistocle, non. Il y avait ces marins. Monsieur Akab. Et puis Médusa les a tous transformés en pierre. En pierre? Allons, voyons. Médusa n'a jamais existé. C'est une légende. Tu as raison. Les gorgones n'existent pas. J'ai dû rêver. Mais c'était si réel. Vous voyez bien. Allons, Adrien. Il faut vous reposer à présent. En tout cas, Mu n'est pas une légende. Et je la trouverai, Thémistocle. Je la trouverai. Moi, cette fois-ci, on l'a échappé belle. En tout cas, c'est une bien belle ville, Mu. Hein? Un peu humide, peut-être. Hein, vous en faites pas, capitaine. Un coup de marteau et vous en serez débarrassé. Voilà. Bravo, les enfants. Pourquoi autant de secrets autour de Mu? Pourquoi avoir caché son existence aussi longtemps? Pourquoi interdit-on aux enfants d'aller dans certaines grottes? Parce que c'est dangereux? Oui, et aussi parce qu'ils ne sont pas assez éduqués pour apprécier ce que contient la grotte. Et quoi? Ce seraient les images peintes? Tiens, mais tu y es allé. Et toi aussi, Satya. Sachez que derrière ces images, il y a un enseignement, une sagesse, des connaissances qu'un enfant ne peut comprendre, car les serpents protègent ces trésors de ceux qui pourraient les saccager par pure ignorance, parce qu'ils n'en mesurent pas la valeur. C'est pareil pour Mu et la Gorgone, alors? Jusqu'à présent, les hommes n'étaient pas prêts à recevoir le grand héritage de Mu. Vous avez compris. Mais aujourd'hui, le monde est prêt. Un peu comme un enfant qui aurait appris à lire et qu'on laisse entrer dans une bibliothèque. C'est pourquoi les tablettes doivent être réunies. Le temps de la Gorgone est révolu. Le secret peut être levé. Guéri en pleine forme. Oups, ça va? Rien de cassé?